Au mois de juin 2016, Cyril Blanchard bat le record du monde de l'Enduroman en 59 heures et 56 minutes. L'Enduroman est l'un des triathlons les plus difficiles au monde, 140 km en courant entre Marble Arch à Londres et le port de Douvres en Angleterre, 40 km à la nage pour traverser la Manche, puis 300 km à vélo entre Calais et l'Arc de Triomphe à Paris. Une performance extraordinaire réalisée par un homme ordinaire, un père de famille de 42 ans, sportif amateur et chef d'entreprise. Pour réaliser cet exploit, Cyril a pu compter sur le soutien de sa première supportrice, sa femme Laurence, et il s'est entouré d'un staff de professionnels. Un an de préparation a été nécessaire. Alors, l'idée d'Enduroman, elle date d'il y a 2 ans en fait. Il y a 2 ans, j'ai découvert l'épreuve un petit peu par hasard sur Internet. Mais à l'époque, c'était juste une idée comme ça qui m'a effleuré l'esprit. Et il y a 1 an, là pour le coup, un email arrive. Et la vie fait que c'était le bon moment. Et donc avec Laurence, on en a parlé. Et je me suis lancé dans l'aventure. Alors quand Cyril il m'a annoncé qu'il allait justement se préparer pour une grande course, l'Enduroman, ma première réaction, déjà je ne connaissais pas spécialement, on va dire, cette course-là. Non, je n'ai pas eu d'inquiétude. Et puis au contraire, je l'ai plutôt motivé à le pousser à le faire en fait. Et puis ma réaction a été, puisque je change de travail, ça tombe bien. Moi je serai occupée et toi tu seras aussi occupée. Donc voilà. Je m'appelle Philippe Leclerc, donc je suis préparateur mental de sportifs de haut niveau depuis une trentaine d'années. Et donc moi, mon rôle, c'était d'accompagner Cyril dans son défi à la fois mental, mais un défi mental ne se gagne que si on écoute son corps. Donc, quand j'ai rencontré Cyril, je lui ai posé 2 questions qui correspondaient à 2 apprentissages. Première question, premier apprentissage, l'objectif, c'est que tu apprennes à être sourd. Pourquoi apprendre à être sourd? C'est pour éviter d'entendre du matin au soir, ça va être dur, tu vas souffrir, tu risques ta vie, toutes ces choses-là qui vont ensemencer le subconscient s'il n'y fait pas attention. Deuxième question, deuxième apprentissage, qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce qu'il m'a dit, j'aimerais que tu m'aides à réussir le projet, à réussir mon défi. Je lui dis non. Je ne vais pas t'aider à réussir le défi, parce que compte tenu du niveau que tu as déjà, le défi, tu vas le réussir. Par contre, notre challenge, si nous travaillons tous les deux, c'est que tu battes le record du monde. Alors donc j'ai démarré il y a 1 an la préparation du Roman, et on va dire que sur une année, j'avais en moyenne 20 heures d'entraînement, donc 20 heures d'entraînement par semaine. Mais au global, ça a été donc de longues heures d'entraînement, seul, aussi en équipe. Je crois avoir fait pas loin de 2 ou 3 000 km en course à pied sur une année. Je ne sais pas exactement le nombre de vélos à vélo. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures aussi à nager, que ce soit en piscine ou en lac. J'ai commencé donc l'entraînement d'Enduroman 1 an avant l'épreuve. J'ai cru bon en tout cas de me faire entourer des spécialistes, et notamment pour la préparation physique et l'entraînement. Et Patrick Bringer, donc trailer, triathlète et champion de France d'ailleurs 2015 de trail, m'a paru être la personne adaptée pour me préparer à cette épreuve. Patrick me propose vraiment un entraînement lié sur l'effort, mais aussi sur un recentrement sur soi, la récupération qui est au moins aussi importante que l'entraînement. Regarde, si tu prends comme ça, tu vas lutter. Ou après, si tu veux aller un peu plus vite, tu casses ton bras. Ouais. Ou le courant, tu vas surtout pas comme ça. Non, surtout pas. Alors, et la première, elle est là, ouais. La deuxième, elle est derrière. Ouais. Et toi, quand tu regardes les bouées, t'as l'impression qu'on dérive pas. Et quand tu regardes l'autre côté, ah, c'est terrible. Oh. Regarde la bouée, elle est là-bas. T'avais regardé. C'est un truc de dingue. Ouais. Dans l'action, une des règles de base, quelle que soit la discipline, jamais anticiper le futur. Parce que quand on anticipe le futur, c'est trop, il me reste encore tant de kilomètres à faire, ce qui va générer des pensées et de la fatigue dans l'instant. Vivre l'instant présent, pourquoi? C'est pour écouter les informations que le corps lui envoie et pour agir dessus en temps réel. Puisque à l'entraînement, nous avons appris, dans les 3 disciplines, à pratiquer l'action sans douleur, sans fatigue et sans effort inutile, de façon à être plutôt dans la régulation d'allure.
Et quand on est dans le présent, on peut capter toutes les informations que le corps envoie, justement, et aussi transmettre des informations aux autres membres du staff qui sont à côté de lui. Là, il va pratiquement à la vitesse du courant. Donc là, on a 3 nœuds et demi. On voit comme ça, et le courant, il est à peu près pareil dans ce sens-là. Donc là, là il faut résumer. Jean Rira, kiné ostéopathe. Donc, je me suis occupé de la préparation de Cyril en amont, quasiment une année avant qu'il décide de faire son Enduroman. Au cours de ces 11 mois de préparation, on va dire qu'on a fait surtout un travail, ce qu'on appelle prédictif, où on cherche à faire en sorte de libérer des petits blocages avant qu'ils deviennent douloureux. Mais on a eu quand même des moments un peu de doute, hein, puisque Cyril a réussi quand même à se faire une cote à 5 semaines du départ. Donc, et à 8 jours du départ, à 7h du matin, j'avais 4 SMS sur mon téléphone pour me dire appelle-moi, parce qu'il venait d'avoir un accident de voiture. Donc là, c'est vrai qu'on s'est quand même posé pas mal de questions, avec une douleur qui était quand même entre le sternum et une côte, qui était assez aiguë, et il a quand même commencé sa course à pied avec cette douleur, il faut le savoir. Alors, mon état d'esprit au départ de la course Enduroman, donc nous arrivons avec toute l'équipe à Londres avec notre camping-car. Donc il y a un super esprit d'équipe, il y a un réel enthousiasme, il y a beaucoup de complicité au sein du staff, et ça c'est ma grande fierté. Donc on arrive à Londres avec, voilà, ça y est, on est prêt. Mais en même temps, quand on arrive à 23h au départ à Marble Arch, là, poum, d'un seul coup, on y est. Je suis dans ma bulle, je pars à 9 km/h et ça va être le rythme que je vais m'astreindre pendant toute la durée du parcours course à pied. Et là, c'est parti toute la nuit. Et puis le jour se lève, on est à mi-parcours. Et voilà, il n'y a pas un moment finalement où il y a le doute qui s'installe en course à pied. Sur la fin, en revanche, sur la fin de la course à pied, il commençait à faire chaud. Il commençait à avoir un parcours un peu plus compliqué, avec des côtes qui étaient quand même beaucoup plus pentues. Donc là, ça commençait un petit peu à être dur. Puis il y avait la lassitude aussi pour les derniers kilomètres, de se dire, voilà, s'il ne reste plus que 10 km. Là, j'avoue que je me suis sorti un petit peu de ma zone de confort, et j'ai été moins bon physiquement, j'ai été moins bon mentalement aussi, parce que là, on arrive à la fin de la course à pied, il y a un soulagement, mais il y a surtout l'angoisse et l'appréhension de traverser la Manche derrière. Et dernière ligne de droite pour Cyril à Douvres. Il est arrivé 140 km en courant depuis Marble Arch à Londres, et il est là. Avec... Bravo mon amour. Hey, trop bien. Cyril donc a fait 140 km de course à pied. Il s'est arrêté environ 4 fois à peu près tous les 30 km. Donc sur les 30 premiers kilomètres, on a surtout fait un travail de libération de tension au niveau de ses pieds. Le fait de courir, quand il s'est arrêté, il a retiré ses chaussures et on essaie de libérer les tensions, masser toute la voûte plantaire, essayer de redonner de la mobilité au niveau des différentes articulations pour qu'il retrouve un pied un peu reposé et pour qu'il puisse repartir dans de bonnes conditions. Il est 22h20 à peu près, donc là on est en train de préparer tout le matos qu'il faut pour la traversée de Cyril. C'est un peu la veillée avant la grande bataille. Il pleut, il y a des éclairs. Tout le monde est quand même un peu inquiet. Donc Cyril doit partir d'ici à peu près une quarantaine de minutes. On attend le bateau de l'organisation pour finir de charger le bateau de l'organisation. Et Cyril part après, donc pour une douzaine d'heures de nage au moins. Après avoir fait la course à pied, il y a 6 heures qui se passent avant de partir nager. Au cours de ces 6 heures, il y a un débriefing avec l'équipe, avec le staff, il y a évidemment se nourrir, il y a un travail avec l'ostéo, il y a dormir, j'ai dormi 1h30. Donc je suis bien aussi dans le timing, dans le protocole, tout va bien. Mais à un moment donné, on monte sur le bateau.
J'enfile la combinaison. Patrick me met aussi m'enduit de graisse pour pas trop avoir froid et puis aussi permettre de ne pas avoir de frottement avec la combinaison. Et là, c'est un moment qui est extrêmement fort parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est le silence complet. Il y a Nassim qui est à côté de moi aussi, qui me regarde avec ses yeux d'un fort inquiet. Et on sent qu'il va se passer quelque chose. On est arrivé devant l'Everest, quoi, parce que la traversée de la Manche, c'est l'Everest de la nage, et on y est, quoi. Donc tout le monde m'avait dit, c'est quand même l'épreuve la plus dure. J'avais beau dire, non, c'est pas l'épreuve la plus dure parce que je m'y préparais comme toutes les autres. Ouais, c'est quand même l'épreuve qui va faire des traces. Alors quand Cyril a commencé à nager dans la Manche, alors là, je me suis vraiment inquiétée, parce que de toute façon, c'était à ce moment-là que je savais que j'allais commencer un petit peu à avoir peur. Alors, on a eu des orages, on a eu des éclairs. Je voyais plus du tout Cyril. On me dit il est là avec une petite lumière, mais je le voyais plus du tout. Et j'ai eu le mal de mer aussi, forcément. Donc voilà, je me suis allongée. Et puis j'avais notre copain Olivier qui était à côté, qui me disait écoute, je le vois, tout va bien. Voilà. Mais c'est vrai que je garderai cette image où là j'étais vraiment inquiète. Pour la traversée de la Manche, nager pendant 15 heures avec donc mon nutritionniste Anthony Berthoud, on avait prévu des protocoles pour chaque discipline. Et pour la nage, le conseil, comme pour toutes les autres disciplines d'ailleurs, c'était fractionner au maximum l'alimentation et quitte à perdre du temps à s'alimenter. Donc on a fait tous les quarts d'heure en fait une alimentation à base de solides, de liquides, compotes, barres énergétiques, boissons énergétiques, etc. L'image moins forte que j'ai de cette traversée de la Manche et cet enduroman, c'était Patrick qui m'a tendu chaque quart d'heure mon alimentation, coûte que coûte, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Et ça m'a vraiment mis dans un rythme que j'aurais pas eu, parce qu'en fait, quand on est au bout de 5 heures, 6 heures, 7 heures d'effort, on n'a plus du tout la notion du temps. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on est un peu paumé. Et moi, j'avais qu'un seul repère, c'était Patrick. Il était là, fidèle au rendez-vous. Donc, chapeau Patrick. Et la côte est juste là, à portée de doigt, et Cyril est là. Go. Régulier. Voilà, sur le dos. Voilà. Il va aller la chercher, il va aller la toucher, cette terre promise. Arrivé à la côte française, donc on était tous là à le motiver, à l'encourager, et à un moment, on était à 500 mètres de l'arrivée, et je l'ai vu perdu, quoi. Et il m'a regardé, et il m'a dit, j'arrête. Et je dis, mais c'est pas possible, il peut pas s'arrêter maintenant, quoi. C'est non. Alors je criais, je pense pas qu'il m'entendait, mais je hurlais, vas-y, continue. Puis je le voyais en fait se reposer. Et l'image qui m'a marquée, c'est tous nos amis qui étaient en haut de la falaise et qui ont hurlé Cyril. Et j'ai vu en fait dans le regard de Cyril, l'encouragement de ses amis. Et là, il s'est dit, ça y est, j'arrive enfin au bout, quoi. C'est au bout de 14 heures d'effort. Je suis dans un vrai doute, je ne me rends pas compte que j'ai nagé pendant 14 heures parce que j'ai eu aucune notion du temps tout au long de la traversée. Et en fait, c'est sur la fin, il y a ma femme, Laurence, qui est là et qui me dit « Vas-y, accroche-toi, t'es presque fini, t'arrives. » De l'autre côté, sur l'autre bateau, il y a Patrick et Nassim qui sont en train de m'encourager avec la musique de Muse, leur haut-parleur. Donc j'ai vraiment tous mes sens qui sont d'un seul coup réveillés alors que moi, je suis complètement épuisé. Donc j'entends des belles choses, j'ai des beaux regards, et puis il y a une chose ultime qui arrive, c'est que je vois les côtes françaises et je vois en haut tous les supporters qui sont là en train de crier. Et en fait, c'est le symbole en fait de toute l'épreuve enduroman. Il y a tellement de monde qui m'a aidé, qui m'a encouragé, qui m'a appuyé, qui m'a accompagné, que à ce moment-là, comme tout au long de la traversée de la Manche d'ailleurs, c'est ça qui me fait réussir. C'est le fait qu'il y ait tout un tas de personnes qui comptaient sur moi, qui croyaient en moi. Et rien que pour ça, je me suis accroché et donc je suis arrivé au bout de cette traversée de la Manche. Allez Cyril, ça y est, c'est bon. We'll be right back.
qu'elle s'est passée comme il fait. Rien. Comment ça? Il y a une tempête de 2 heures. J'ai loupé le cap grillé. J'ai lutté contre tous les courants. Là. Et ça y est, j'y suis arrivé. Sacré exploit quand même là. Elle en revient pas. Heureux quand même. Ah, je suis super heureux. Je suis déçu, je suis heureux, je suis soulagé. J'ai envie de crier ma joie, mais voilà, je suis là. Juste, quel était le premier sentiment justement quand t'as enfin mis les pieds là sur le sol sec? La seule première chose que j'ai faite en touchant le sol là, c'est de laisser monter mes émotions et de pleurer quoi. J'ai mes larmes qui remplissent mes lunettes et voilà, un immense bonheur et je me rends compte que j'ai fini dans du roman. Donc moi je ne l'ai pas suivi sur la nage puisque on ne pouvait pas agir et donc je l'ai retrouvé à l'arrivée en ayant la chance d'être quasiment quand il est sorti de l'eau. Où là, il avait pris une vingtaine d'années en 15 heures. C'est vrai que j'étais quand même pas mal inquiet de voir comme ça. Mais bon, il était super content, mais il était quand même très marqué. Et donc, on a fait un travail carrément sur le port de Calais. On a sorti la table dans la rue. Et puis, on a travaillé un peu à essayer de détendre. Surtout, il y avait quand même des frottements sous les aisselles, un petit peu de brûlure. Enfin, il se plaignait quand même de douleur au niveau des épaules. Et 4-5 heures après, il est parti. Il est parti avec tout le travail qu'avait fait mon ami Philippe Leclerc. Donc, super motivé. Donc partir sur 300 km de vélo, je dis pas que j'ai une appréhension parce que c'est la fin et 300 km de vélo c'est juste une formalité. Par contre, c'est la fatigue qui était un petit peu mon ennemi. Partir de nuit, puisqu'on partait à 23 heures, pour arriver le lendemain à peu près à midi, ça faisait une grosse épreuve de nuit, donc ma crainte c'était de m'endormir. Et finalement, j'étais vraiment dans un état de grâce. Alors c'est quoi pour moi l'état de grâce? Ça se résume en 3 mots, parce qu'avec le coach, il me les a tellement martelés tout au long de l'année. En fait, moi, ils étaient là, ils étaient tout le temps dans mon esprit. Plaisir, calme, confiance. J'étais en pleine sérénité, c'était la nuit, il n'y avait pas de bruit. Bon, il y avait un peu de vent. Au début, ça, je l'avais de face, donc ce n'est pas super agréable. Mais voilà, tout ce qui arrivait, en fait, j'étais super serein. Donc j'étais dans un calme vraiment absolu. Et puis moi, je m'en suis trouvé un quatrième dès le début. Ça a été vigilance. Et en fait, croyez-le mais, ou pas, mais pendant 15 heures de vélo, il y avait ces mots qui tournaient en boucle dans ma tête. Plaisir, calme, confiance, vigilance. C'est cette boucle, ça me mettait dans l'instant présent. J'étais ancré, j'étais là. J'étais à la fois sur mon guidon, mais en même temps, je me regardais pédaler. Donc il y avait un double phénomène. T'es dans l'effort, t'es là, tu maîtrises. Mais t'es en même temps le propre spectateur de ton effort. Et voilà, c'est ce que moi j'appelle l'état de grâce et je l'ai vécu. Allez Cyril. La plus dure du parcours, juste après Poitiers-Picardie. Cyril est arrivé on va dire, à l'Arc de Triomphe. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de choses, hein, beaucoup d'émotions. Oui, forcément, on en pleure. Et puis, il y a eu. Les images qui me restent aujourd'hui, c'est toutes ces personnes qu'on ne connaissait pas autour de nous, qui le félicitaient, qui étaient là à le prendre en photo, comme un champion, même si c'en était un. Pour moi, ça reste mon mari, tout simplement. Et voilà, donc, c'était. Très fort en émotion, donc il est très fier de lui. Après 60 heures d'effort, en fait, la première chose, c'est mon subconscient qui doit prendre le relais. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, instinctivement, je prends mon vélo, je le lève, parce que c'est sans doute l'image que j'avais imaginée, rêvée pendant un an. Et donc, instinctivement, c'est la première chose que je fais, voilà, c'est je lève mon vélo parce que ça y est, c'est gagné, quoi.
Et la deuxième après, là, c'est où est mon staff, quoi. Où est mon équipe, enfin l'équipe, parce qu'on a vécu quand même 60 heures ensemble avec Laurence, ma chérie, avec Patrick, mon meilleur pote, avec Luc, avec Nassim, avec Jean. Enfin, on a été une super équipe du début jusqu'à la fin. Nous ont rejoint mon père, nous ont rejoint Giovanni, Laurent, Denis. Bon, j'en passais des meilleurs. Donc voilà, ce que je veux à l'arrivée, c'est être au milieu de toute mon équipe et leur dire merci parce que c'est grâce à eux que je l'ai fait et puis surtout, on l'a fait. Salut à tous, c'est le dernier tuto. Devinez où on est. On est à Marble Arch, je suis avec Edgar, l'organisateur de la course. Et voilà, c'est parti, il est presque minuit. Donc c'est parti pour une vingtaine d'heures de course à pied, tranquille. Et puis donc rendez-vous à Douvres. Donc pour ce dernier tuto, bah, je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont préparé physiquement, mentalement, à tout niveau pour être là aujourd'hui. Et ma petite chérie, voilà, je dédie cette course pour ma petite femme qui est à côté de moi. Merci d'être là. Grand merci à tous, à très bientôt. Rendez-vous en France. C'était le dernier tuto d'Enduroman. Et c'est quoi le cri de guerre? Feeling good! I'm feeling good.